إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 4 dans la lecture du livre Al-Usul Thalatha avec l'explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah. Et on est rendu donc on est toujours dans l'introduction, l'explication de l'introduction de Al-Usul Thalatha. C'est la première introduction où le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab mentionne que chaque musulman doit apprendre quatre choses. C'est, la première chose, c'est al-ilm, et c'est de connaître Allah, la science, c'est-à-dire de connaître Allah, de connaître son messager, de connaître la religion de l'islam avec ses preuves. La deuxième, c'est de l'appliquer. La troisième, c'est d'inviter les gens à suivre cette religion. Et la quatrième, c'est de faire preuve d'endurance et de patience face aux adversités puis aux difficultés lorsqu'on fait la da'wah. Et donc les quatre points, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné que Surat al-Asr, c'est une preuve pour ces quatre points là et on a expliqué au dernier cours les trois premiers points qui sont mentionnés par rapport à ces quatre points là dans Surat al-Asr. Donc on a lu ensemble l'explication de Cheikh Ubayd à ce sujet-là. Il restait juste d'expliquer le quatrième point. Donc on avait dit que wal asri inna l'insana lafi khusrin, c'est-à-dire par le temps certes l'homme est en perte, excepté ceux qui ont quatre conditions ou quatre caractéristiques. La première caractéristique, c'est alladhina amanu, ceux qui ont cru. Et on a expliqué que ceux qui ont cru, ça implique bien entendu la science. Parce que tu ne peux pas croire sans connaître ce en quoi tu dois croire. Donc ça implique la science. Donc il faut connaître Allah, il faut connaître son messager, il faut connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Donc ça c'est le premier point. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Donc ils font les bonnes œuvres. Et ça, ça prouve le deuxième point qui est le fait de pratiquer la religion et de mettre en application la science. Donc une foi sans les œuvres, ça compte pas, ça vaut rien. Donc on a expliqué donc ce deuxième point là, puis on a expliqué le troisième point qui était wad da'watu ilayhi, le fait d'inviter à la foi, puis on a expliqué que ça se réfère à la partie du verset qui dit wa tawasaw bil haqqi, c'est-à-dire le fait de s'enjoindre et de s'encourager les uns les autres à la vérité. Donc c'est comme si ça comprend l'aspect de la da'wah, d'inviter les gens à croire en la vérité, de suivre la vérité, de s'accrocher à la vérité. Et le dernier point, c'était la dernière partie qui nous restait à expliquer, al-mas'alatu rabi'a shahiduha aw shahiduha, na'am, shahiduha adhunnuhu wadihan wa tawasaw bis-sabr. C'est-à-dire et ils s'enjoignent les uns les autres l'endurance et la patience. Donc le cheikh il dit
وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Si tu peux juste appuyer sur le bouton au milieu, parce que là il est sur turbo. Oui, non. Donc ça va être plus calme après. Barakallahu fik. Donc نعم وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ هذه لافتة إلى أن أهل السنة وأهل السلف لا يستعجلون ولا يأخذهم الطيش ولا الشطط. يوصي بعضهم بعضا بالصبر ينالهم ما ينالهم من الأذى ومع هذا يصبرون ويصابرون ويتواصون بالصبر. Donc le cheikh il dit, ça c'est un point pour nous faire comprendre que la quatrième caractéristique dans ce verset-là, c'est de s'enjoindre les uns les autres à être patients et de s'encourager les uns les autres à être patients et à être endurants. Et donc, c'est pour dire que les gens de la sunna et les gens des salafs, les gens qui suivent les salafs, c'est pas des gens qui doivent se précipiter. C'est pas des gens qui doivent être pressés, yani, et c'est pas des gens qui doivent agir n'importe comment, de façon irréfléchie, et de suivre juste nos émotions pour réagir aux provocations que font les ennemis de l'islam ou autres. Mais au contraire, on doit s'enjoindre et s'encourager les uns les autres à faire preuve de patience. Et donc, ce qui nous atteint parmi les difficultés, parmi les nuisances, parmi les choses que les gens nous font subir à cause de yani, leur rejet de la vérité, eh bien, il faut affronter tout ça avec de l'endurance et de la patience et s'encourager les uns les autres à être patients et endurants face à ça. Parce que ça fait partie hein, des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit « وَالصَّبْرُ لُغَةً الْحَبْسُ وَالْمَنْعُ. Donc dans la langue arabe, le mot « sabr » ça signifie quoi? Ça signifie le fait de se retenir, hein, de se retenir et de s'empêcher de faire quelque chose. Et selon la terminologie religieuse, le terme « sabr » ça signifie, le cheikh il dit « اصطلاحاً هو حبس اللسان عن التشكي والتسخط والنفس عن الزجع والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك من القبائح المنافية للصبر. » Donc le cheikh il dit, selon la définition religieuse, le terme sabr ça signifie de retenir sa langue, c'est-à-dire de pas laisser sa langue dire, et en est par exemple de se plaindre ou de se mettre en colère et de dire des choses qui expriment la colère, ou par exemple lorsque quelqu'un par exemple il se plaint d'un mal ou de quelque chose, donc tu vas commencer à te plaindre avec tes paroles et dire des choses qui montrent par exemple que tu veux te plaindre ou donc c'est ça en fait, c'est ça tashaki tashko, yani tu te plains. Donc il ne faut pas que tu te plaignes de ta situation, il faut au contraire que tu acceptes cette situation là comme faisant partie des épreuves qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu commences à te plaindre de ce qui t'a atteint avec ta langue, ben en réalité c'est comme si tu n'acceptais pas l'épreuve, c'est comme si tu n'étais pas convaincu que cette épreuve là vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, on va dire que tu appelles à Allah, tu appelles à l'islam, tu fais un travail pour la cause d'Allah, tu fais quelque chose pour la cause de la religion d'Allah, puis il t'arrive quelque chose par la suite à cause de ça, on te donne des difficultés dans tes affaires personnelles, dans ta vie personnelle ou dans ta dunya, on te prive de certaines choses ou à cause de ça tu perds ton travail ou il t'arrive quelque chose, et toi au lieu de dire bon alhamdulillah je vais être patient, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une épreuve, tu commences à te plaindre. Ah, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça, pourquoi il m'arrive ça, je comprends pas,
c'est pas comme pourquoi je suis opprimé, pourquoi on me donne des difficultés, pourquoi hein, tu commences à critiquer puis à poser des questions comme si tu remets en question la prédestination, puis qu'est-ce qui t'arrive de la part des épreuves que Allah te donne à cause du fait que tu as invité les hommes à Allah et que tu as appelé à l'islam. Donc ça c'est un problème, ça c'est quelque chose qui est en contradiction avec la patience et l'endurance. Le deuxième point c'est an-nafsu an-zajar. Donc c'est la même chose, ton âme, tu dois retenir ton âme de se plaindre aussi et d'avoir des remords ou d'avoir de te réprimander pour qu'est-ce que tu as fait de bien. Wal jawarih an latm al khudud wa shaqq al juyub. Les gens dans la jahiliya avant l'islam, quand ils avaient un malheur ou quand ils avaient une difficulté, ben ils se frappaient les joues puis ils se déchiraient les vêtements. Donc si tu es vraiment patient face à l'épreuve et la difficulté, tu vas pas faire ça. Tu vas pas commencer à te griffer les joues, à te déchirer les vêtements, commencer à te tirer les cheveux ou des choses comme ça. Non, tu fais preuve de patience et d'endurance. Donc toutes ces choses-là sont des choses qui sont en contradiction et en opposition avec la patience, c'est des négations de la patience. Donc le cheikh explique c'est quoi la patience selon l'islam. Et il faut savoir en même temps que la patience c'est une des grandes formes d'adoration de l'islam, une des plus grandes parmi les adorations par lesquelles on peut plaire à Allah et se rapprocher d'Allah. Donc la patience et l'endurance, c'est une grande ibadah, une grande ibadah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. » C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala va donner aux gens qui sont patients et endurants une récompense, mais sans calculer. C'est-à-dire, il va même pas compter, tellement il va les récompenser. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nombre à mettre sur cette récompense-là, tellement c'est grand. Donc, des fois, on prend pour acquis, ou disons, on prend pour acquis dans le sens que on ne donne pas d'importance à cette adoration-là. On dit, ah, mais la patience, c'est rien, tu vois. Il y en a qui pensent que la patience, c'est rien, c'est pas important. Et pourtant, c'est une des plus grandes formes d'adoration. Lorsqu'il arrive un malheur ou il arrive quelque chose, il y en a des gens qui sont toujours excités pour dire « il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose ». Au lieu de réaliser que non, c'est le temps d'être patient et d'attendre, hein, et de prendre son temps et d'endurer qu'est-ce qui se passe pour que par la suite, justement, les choses se clarifient et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une issue et il nous donne la victoire. Mais parce qu'on n'a pas de patience, parce qu'on est pressé, eh bien, le résultat c'est quoi? On échoue et on a toujours des défaites. Et parce qu'on n'est pas patient. Donc le cheikh il dit, « Wa huwa inda ahli al-shar'i thalathatu aqsam. Al-awwal sabrun ala ta'atillah hatta yu'addiha kamilatan au qaribatan min al-kamal. لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يجب أن يؤدي الطاعة كاملة وإذا عجز سدد وقاربه. Donc le cheikh il dit la première chose, donc premièrement la patience elle est divisée selon la charia en trois catégories. La première catégorie c'est de faire preuve d'endurance sur l'adoration et l'obéissance d'Allah pour être capable d'accomplir cette adoration-là et cette obéissance d'Allah de façon parfaite et complète ou proche, le plus proche possible de la perfection. Et ça c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans le verset 16, dans surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, c'est-à-dire craignez Allah le plus que vous êtes capable. Et il dit donc qu'il est obligatoire de faire et d'accomplir cette obéissance envers Allah de façon parfaite et complète. Mais si tu es incapable d'arriver à la perfection, yani, saddid wa qarib,
c'est-à-dire tu essaies de mettre les choses le plus proche de la perfection possible et tu fais de ton mieux, tu fais de ton mieux. Et donc ça c'est la première catégorie, as-sabru ala at-ta'a. OK, donc d'être endurant sur l'obéissance d'Allah. Et ça, c'est une des formes d'obéissance, une des formes d'endurance et de patience qui est la plus difficile. Hein? Parce que ça te demande d'être toujours constant et de toujours continuer à obéir à Allah. Il y en a sans arrêt. Et donc, ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'endurance. Des fois, les gens, ils ont dit, ah bon, là, j'ai fait beaucoup, là, je suis fatigué, je vais me reposer, je vais arrêter d'adorer Allah ou d'obéir à Allah. Je vais prendre un petit break, hein, une petite pause. Eh bien non, ça c'est pas correct. Tu peux pas dire je vais prendre une pause de l'adoration ou de l'obéissance. Ou dire ça y est, j'ai fait suffisamment. Maintenant je vais me permettre quelques petites désobéissances. Comme les gens parfois s'imaginent. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'obéissance d'Allah, ça doit être quelque chose qui est constant et permanent. Et c'est pour ça que dans l'obéissance d'Allah, il faut pas tomber dans l'extrémisme ou dans l'exagération, parce que si tu vas dans une chose avec trop d'exagération, tu pourras pas continuer de façon permanente et constante. Les actes extrêmes, tu es capable de les faire une fois ou deux ou trois, dans le sens que tu vas dire, bon, cette nuit-là, je vais prier toute la nuit. Hein? Tu dis, ah, mashallah, je vais rester toute la nuit, je vais prier. Et ce mois-ci-là, je vais jeûner tous les jours. Je ne vais pas arrêter. Tu vois? Donc, tu te mets une charge très lourde. Tu dis, ah oui, je suis capable. Mais arrivé à la moitié de la nuit, tu commences à être fatigué. Tu dis, ah, là, je suis plus capable. Hein? Tu dis, ah, je vais aller me reposer un peu. Et ou bien, arrivé la moitié du mois ou la première semaine, tu dis, ah, c'est beaucoup tous les jours. Hein? Je pense que je vais commencer à arrêter ça. C'est pourquoi? Parce que tu as voulu te mettre trop lourde charge d'adoration et à cause de ça, tu peux pas être constant. C'est pour ça que il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquels il dit que la meilleure action, je me rappelle plus le terme en arabe, mais c'est-à-dire le meilleur action que tu fais, c'est celle que tu fais avec constance, même si c'est peu. La meilleure action que tu fais, c'est celle que tu fais constamment, mais même si c'est peu, tu le fais constamment, t'arrêtes pas. Ça, c'est mieux que de faire beaucoup, tu fais une seule fois, puis après tu l'arrêtes et tu fais plus. Hein? Donc pourquoi? Parce que ça demande de l'endurance, de la patience, et on est quand même limité parce qu'on est des êtres humains. On n'a pas une force aussi grande qu'on s'imagine. La deuxième forme de sabr, la deuxième sorte d'endurance, c'est as-sabru ala an ma'siyatillah. As-sabru an ma'siyatillah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu fais preuve d'endurance dans le fait de t'écarter de la désobéissance d'Allah. Ça aussi, ça demande de l'endurance et ça demande beaucoup de patience, c'est-à-dire de retenue. Tu dois te retenir. Hein? Des fois, si tu as envie de commettre un péché, tu as envie de commettre une désobéissance, tu as envie de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu dis non. Je crains Allah subhanahu wa ta'ala et je ne veux pas me laisser aller et suivre les désirs de mon âme qui me poussent à tomber dans ce péché-là. Non, je vais me retenir. Ça, c'est l'endurance. Ça, c'est de la patience. Ça, c'est la deuxième forme d'endurance. Et c'est aussi important que la première. Parce que de la même manière que tu dois être endurant dans l'adoration, et dans l'obéissance, tu dois aussi être fort et te retenir de faire un péché et de commettre le péché. Ça aussi, ça rentre dans la patience et ça rentre aussi dans l'endurance. Hein? Donc,
si par exemple des gens qui ils disent moi je suis fort, moi je suis capable, moi je suis un bon musulman, hein, déjà en partant on devrait jamais dire ça. Quelqu'un ne devrait jamais dire moi je suis un bon musulman, parce que on est jamais assez bon. On n'est jamais assez bon. Le moment que tu dis que tu es un bon musulman, c'est le moment peut-être que tu as justement été un mauvais musulman. Parce que le bon musulman, il n'est jamais satisfait de qu'est-ce qu'il a fait de bien. Et il voudrait toujours essayer de s'améliorer et il remercie toujours Allah pour le bien qu'il a fait. Parce que tout ce qu'il fait de bien, c'est uniquement par la permission d'Allah. Donc, ça c'est important. Première catégorie, as-sabru ala ta'atillah. La deuxième catégorie, as-sabru an ma'asiyatillah. Et la troisième sorte de sabr, c'est quoi? As-sabru ala aqdarillah. As-sabru ala aqdarillah. C'est-à-dire, tu fais preuve d'endurance et de patience vis-à-vis les choses que Allah a prédestinées pour toi comme difficulté, comme épreuve, comme malheur, comme tout ce qui peut t'arriver dans ton existence comme accident ou problème ou etc. etc. Donc tu dois donc ça aussi ça fait partie des catégories de as-sabr. Tu apprends que il y arrive un accident. Tes parents ils sont dans un accident, ou toi t'es dans un accident, ou ton frère ou ta sœur ou tes proches ou tes amis ils ont un accident ou quelque chose, une maladie ou un problème de santé ou quelque chose d'autre, eh bien tu vas pas commencer à déchirer tes vêtements, tirer tes cheveux, griffer tes joues, commencer à te frapper, puis à crier, puis à commencer à dire non, pourquoi c'est arrivé, puis à dire ah, mais s'il n'avait pas fait ça, ou si j'étais là, ou si j'aurais été là, ce ne serait pas arrivé. Non, tout ce qui est arrivé c'était écrit et c'est Allah qui l'a prédestiné. Peu importe qu'est-ce que tu aurais fait, ça devait arriver et il n'y a rien que tu pouvais faire pour empêcher ce qui s'est produit, parce que c'est par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a voulu. Ça c'est quelque chose, souvent les kuffars ils comprennent pas ces choses là Il y a des exemples aussi, tu vois souvent, comme des koufas, par exemple, je sais pas moi, on va dire qu'un homme, il a une femme, puis il aime sa femme. Puis elle meurt dans l'accouchement. Après, toute sa vie, il en veut à son enfant parce que l'enfant est né, puis il a été une cause de la mort de sa femme. Ça, c'est haram. T'as pas le droit de vouloir à ton enfant à cause de la mort de ta femme. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui a voulu, qui a prédestiné qu'elle allait mourir. C'est pas parce que ton enfant est né qu'elle est morte. C'est parce que Allah a prédestiné qu'elle allait mourir à ce moment-là. Et donc, ça s'est produit et c'était écrit que ça allait se produire comme ça. Rien que tu allais faire allait changer quoi que ce soit à ça. Donc, le fait de croire en la prédestination et en le qadar, eh bien, ça libère l'homme justement de l'injustice et de blâmer des créatures dans qu'est-ce qu'ils sont. Il y en a des causes, il y en a des choses dans lesquelles ils sont innocents, ils n'ont rien fait pour ça. Tu vois, c'est pas pareil comme si quelqu'un vient puis il te tue ou il te tire dessus volontairement. Là, c'est quelque chose qu'il a fait qui est un péché. Tu ne peux pas utiliser le qadar pour justifier l'action qu'il a fait parce qu'il a désobéi à Allah. Mais celui qui est victime d'un accident, tu marches dans la rue, puis un bloc de béton qui te tombe sur la tête, qui tu vas blâmer, ça c'est Allah qui a prédestiné. Ça, c'est arrivé comme ça, c'était Allah qui avait calculé que ça allait se produire et ça fait partie du qadar. Ton heure est arrivée, c'était là ton heure et c'est à ce moment-là que tu es mort. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Quand leur terme arrive, eh bien ils ne peuvent pas l'avancer d'une heure, ils ne peuvent pas le reculer d'une heure. C'est l'heure qui a été écrite pour toi. C'est ça qui a été prédestiné. Et donc, le fait de croire en la qadar, eh bien, ça te libère de cette façon-là, de ce genre de conflit
de ce genre de problème intérieur. Donc, ça, c'est les trois degrés de la patience. Qui peut les répéter? Qui peut répéter ces trois degrés de patience? Ça, c'est la troisième. Et la deuxième, c'est quoi? Hein? La première, c'est une chose, mais la deuxième, c'est le contraire de la première. La première, c'est la patience dans l'obéissance. La deuxième, c'est la patience, mais dans le contraire de l'obéissance. C'est-à-dire d'être endurant, de s'écarter des péchés, le fait de se retenir, hein, d'être endurant et d'être patient et aller vis-à-vis des péchés. C'est-à-dire, tu vas pas te laisser tenter et tu vas pas succomber à la désobéissance d'Allah. Et la troisième, c'est, comme tu as dit, de faire preuve d'endurance vis-à-vis de ce que Allah a prédestiné. Donc ça, c'est les trois types de patience et d'endurance. L'exemple de la patience de te retenir, de désobéir à Allah, c'est comme par exemple dans le Ramadan. On va dire que tu es dans le Ramadan, puis que tu es chez toi, il n'y a personne. Puis tu as soif, tu as faim. Et il y a tout ce que tu veux, tu l'as à la portée de la main. Mais tu te retiens de désobéir à Allah et tu fais preuve de patience, tu dis non, je vais attendre jusqu'à l'iftar. Ça, c'est un exemple, tu vois, de te retenir. Puis en même temps, tu te forces à obéir à Allah et tu restes patient dans l'obéissance, et en même temps, tu te retiens quand tu as la tentation. Tu te retiens de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est les deux catégories ensemble. Puis ensuite, le cheikh il dit: وَالصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ. Donc le cheikh il dit, par rapport à la foi, l'endurance et la patience à le même niveau que la tête par rapport au corps. Donc c'est comme si la patience et l'endurance, c'était comme la tête pour le corps par rapport à la foi. Donc il dit le cheikh: قد ذكره الله عز وجل أكثر من 80 مرة. يعني في القرآن. Et Allah il a mentionné la patience, le sabr, plus que 80 fois dans le Coran. وإذا نظرت في حال الأنبياء والمصلحين وجدت أنهم أصبر الناس على تبليغ الدين وتعليمه العباد على الوجه الصحيح. Donc il dit, si tu regardes les prophètes et les réformateurs, tu vas voir que ce sont les hommes les plus patients dans la transmission de la religion et dans l'enseignement des serviteurs, de leur enseignement de la religion. Ils leur enseignent de la meilleure façon. Ensuite il dit: وهذه المسائل الأربعة هي مراتب جهاد النفس فالإنسان يجاهد نفسه أولا على معرفة الهدى ودين الحق وأنه سبب السعادة في الدنيا والآخرة وبقدر ما يفوت النفس من معرفة الهدى ودين الحق بقدر ما يفوته من السعادة في الدنيا والآخرة. Donc il dit le cheikh, et ça c'est un point qui est très intéressant que le cheikh mentionne, que parce que l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il a un livre qui s'appelle Zad al-Ma'ad. Et dans ce livre-là, il parle du djihad et des degrés du djihad. Et parmi les degrés du djihad, il y a qu'est-ce qu'on appelle djihad al-nafs, c'est-à-dire de lutter contre son âme, de lutter contre sa personne. Et ces quatre degrés qu'on a appris depuis le début sont les quatre degrés qui composent qu'est-ce qu'on appelle djihad al-nafs, le fait de lutter contre son âme. Le premier degré, c'est de lutter contre son âme dans l'apprentissage de la guidance et de connaître la religion de vérité et de la mettre en application, donc de connaître la vérité. Et il dit donc, ça c'est la cause du bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. La première chose pour avoir le bonheur dans cette vie et dans l'autre, il faut avoir la connaissance de la vérité et de la guidance.
Et donc, plus quelqu'un a un manquement dans la connaissance de la guidance et de la religion de vérité, eh bien plus il va perdre une partie de son bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Parce que plus tu as de science par rapport au bonheur, à la religion et à la vérité que tu suis, eh bien, plus que tu vas être capable justement de le suivre correctement et de t'écarter de ce qui est mauvais. Et ça va te procurer plus de bonheur dans cette vie d'ici-bas et un plus grand bonheur dans l'au-delà aussi. Tandis que si tu es ignorant d'une partie de cet aspect-là, eh bien, t'auras moins de bonheur. Hein? La deuxième, le cheikh dit, la deuxième partie de Jihad al-Nafs, c'est Al-Amalu Bima Alimahu. Hein? Al-Amalu Bima Alimahu Allahu Min al-Huda wa Din al-Haq. Hatta la yakuna al-ilmu hujjatan alayhi. Donc la deuxième partie de Jihad al-Nafs, c'est de mettre en application la connaissance d'Allah qu'il t'a donné, de la guidance et de la vérité, de la religion de vérité, pour que cette science ne soit pas une preuve contre toi. Parce que si tu as de la science mais que tu ne le mets pas en pratique, eh bien ça va être une preuve contre toi. Et il dit ensuite, ثالثاً دعوة الناس إلى ما من الله به عليه من الهدى ودين الحق لأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. Le troisième point, c'est le fait d'inviter les hommes à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait la faveur de connaître et de suivre et d'appliquer de la religion de vérité et de la guidance. Parce que celui qui invite à la guidance, il aura la même récompense que celui qui l'a suivi, sans que cela ne diminue rien de ses propres récompenses. Donc chaque fois que tu vas enseigner quelque chose à quelqu'un de la religion d'Allah et que la personne le pratique par la suite, tu auras toi aussi une récompense pour chaque fois qu'il le fait, sans que ça diminue rien de ses bonnes œuvres. Et il dit, comme point numéro 4 parmi les exemples de qu'est-ce qui font partie de Jihad al-Nafs, c'est صبره على ما يصيبه في هذا السبيل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مضى قبله من النبيين والمرسلين ومن جاء بعد نبيين صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأئمة الهدى إلى يوم القيامة. من جاء بعد نبينا من الصحابة وأئمة الهدى إلى اليوم. Jusqu'à aujourd'hui. Non. Donc le cheikh il dit, quatrièmement, de faire preuve d'endurance par rapport à qu'est-ce qui nous atteint dans cette voie lorsqu'on appelle à Allah, et en prenant comme modèle et comme exemple le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cela, et l'exemple de ceux qui sont passés avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les prophètes et les messagers, et également ceux qui sont venus après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les compagnons du messager, les sahaba radiyallahu anhum, ainsi que les imams et les grands savants de la religion jusqu'à nos jours. Et puis le cheikh il dit ensuite, wa laysa al-muslimu qasiran hammuhu على هداية الناس على يديه بل يهتم بتبليغ حجة الله وأن الله مظهر دينه إما على يديه وإما على يدي من يأتي بعده أما أن يقصر همه أو يقصر همه أو يقصر همه على هداية الناس على يديه دون أن يفكر في العواقب فهذا خطأ وقصور. Donc le cheikh il dit, le musulman il doit pas juste limiter son intention ou son intérêt à ce que les gens soient guidés par lui seulement. Dans le sens que tu veux que absolument que ce soit toi qui sois la cause de la guidance des hommes.
Tu dis, je veux que ce soit moi qui fasse que, yani que ce soit moi qui soit la cause de leur guidance et qui se guide ou qui se convertisse à l'islam par ma main, à moi. En fait, qu'est-ce qui est important? C'est pas ça. C'est pas ça le plus important. Il dit, le plus important, c'est de transmettre la preuve d'Allah à la création. Et c'est Allah qui va donner la victoire à sa religion. C'est pas toi. Soit que il va donner la victoire à sa religion par ta main ou par la main de quelqu'un d'autre après toi. Mais c'est pas toi, tu dois pas nécessairement te limiter dans ton intérêt, dans ton intention uniquement à ce que les gens acceptent l'islam de toi ou acceptent la vérité de toi, sans réfléchir aux conséquences et aux choses qui vont se produire par la suite, parce que ça c'est une erreur. Et qu'est-ce que le cheikh il dit ici? C'est vrai, dans le sens que c'est pas à chaque fois que tu vas parler à quelqu'un que la personne va nécessairement accepter qu'est-ce que tu lui dis. Et même si la personne accepte pas de toi qu'est-ce que tu lui as dit sur la religion, ça veut pas dire que la cause est complètement perdue, parce que tu sais pas par la suite qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire pour guider cette personne. Peut-être que toi tu lui en parles un petit peu aujourd'hui, puis la personne n'accepte pas de toi, mais elle réfléchit par la suite, puis 5 ans plus tard, elle rencontre quelqu'un d'autre qui lui parle encore une fois, puis finalement elle décide d'accepter. Donc il faut pas dire ah, la personne n'a pas accepté de moi, donc ça y est, c'est perdu, et puis maintenant j'ai parlé à la personne puis elle a refusé, donc la personne est égarée puis elle pourra plus jamais connaître la vérité ou suivre la vérité. Non, c'est pas toi qui guide, c'est Allah. Et donc l'important c'est quoi? C'est que toi tu transmettes la preuve aux hommes. Et une fois que la preuve a été établie, c'est ça l'important par rapport à toi. Le reste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en occupe. Donc ça, c'est arrivé à plusieurs personnes. Des fois, ils ont parlé à quelqu'un, et ils ont expliqué l'islam bien comme il faut, et la personne, elle a dit, bon, c'est bien, mais ça m'intéresse pas, ou yani, elle n'a pas accepté. Donc, plus tard, la personne a réfléchi, finalement elle a décidé de se convertir. Il y en a d'autres, parfois tu vas leur parler et ils vont dire « Ah oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi », puis là ils acceptent l'islam tout de suite. Finalement, ils partent et ils acceptent l'islam, mais ils n'ont jamais pratiqué tout de suite l'islam. Tu vois, ils apprennent pas comme la salat, comment faire la salat, comment pratiquer la religion, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram et tout. Elles continuent à vivre la même chose que qu'est-ce qu'elles vivaient avant. Mais elles commencent par plus tard, hein, quelques années après, elles disent bon, moi là je suis musulman, mais finalement qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé dans ma vie. J'ai pas connu qu'est-ce que c'est vraiment. Donc commence à dire bon, je vais commencer à chercher, je vais aller à une mosquée, je vais commencer à prendre ça plus au sérieux. Puis là ils commencent à devenir des bons musulmans par la suite. Mais c'est pas directement à cause de toi, tu vois. Donc il faut pas se précipiter trop par rapport à ça. Aussi, peut-être un point par rapport à qu'est-ce que le cheikh a dit, c'est peut-être pas directement relié à la question que je voudrais mentionner maintenant, mais ça a un lien aussi quand même, aussi par rapport à la da'wa que certaines personnes font, par exemple quand ils font la da'wa à des femmes. Et il faut faire attention dans ces questions-là, parce que les gens parfois ils mélangent les sentiments puis la da'wa, et ça marche pas. Tu peux pas mélanger tes sentiments personnels puis la da'wa que tu veux faire à une femme. Ça marchera pas, parce que la da'wa tu dois faire uniquement pour Allah et être sincère envers Allah. Il y en a qui font da'wa au mariage, et puis par la suite ils prétendent que c'est pour Allah. Puis quand la sœur ou la fille en question elle décide de se convertir, eh bien ils la demandent en mariage, ou bien ils veulent se marier avec elle, alors que c'est possible que tu ne sois pas nécessairement la meilleure personne pour cette femme. Peut-être que quelqu'un d'autre serait mieux
pour elle que toi. Donc, il faut faire attention à ces questions-là pour pas justement tomber dans un conflit, pour pas tomber dans un conflit entre tes désirs et tes passions ou tes sentiments, puis le fait de vouloir appeler à l'islam. Donc, de préférence, si il y a une question qui est posée de la part d'une femme qui te demande des choses sur l'islam, eh bien, de la référer à une autre femme qui connaît la religion et qu'elle parle avec cette femme. Ça, c'est une bonne méthode. Sinon, aussi également, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te limiter à lui donner du matériel comme des livres ou des audios qu'elle peut écouter pour qu'elle se fasse une idée d'elle-même, puis commencer à apprendre un peu qu'est-ce que c'est la religion musulmane, puis ensuite tu la réfères à une femme. Mais ne fais pas l'erreur de toi-même commencer à entretenir une relation comme ça avec des femmes pour essayer de les appeler à l'islam, puisque ça c'est une porte vers la tentation, une porte vers la fitna, et tu risques de tomber dans le péché même avec une bonne intention. Tu dis, moi je veux parler à cette femme de l'islam, je veux lui faire la da'wa, puis finalement qu'est-ce qui arrive? Tu tombes dans le péché, peut-être même dans le zina à cause de ça. Donc c'est très dangereux et c'est très grave. Et en même temps, tu risques d'appeler la personne à toi-même au lieu de l'appeler à Allah. Parce que toi, tu commences à être intéressé à cette femme, pas pour l'appeler à l'islam, mais pour elle. Parce qu'elle te plaît et tu veux qu'elle s'intéresse à toi. Donc ça, c'est quelque chose de très grave, très dangereux aussi. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Et pour être sûr aussi que la personne, si elle accepte l'islam, c'est pas pour toi, mais c'est pour Allah vraiment. Que ce soit du côté d'une femme qui parle à un homme, pour l'appeler un non-musulman à l'islam, ou d'un homme qui essaie d'appeler une femme non-musulmane à l'islam, dans les deux sens, ça doit être très sérieux, pris très au sérieux, il faut faire très attention dans ces choses-là. Ensuite, surtout ça c'est dans les pays non-musulmans, c'est parce qu'il y a beaucoup de mélange dans la société, donc les gens ils travaillent, ils vont à l'école, ils fréquentent toutes sortes de monde, et donc on doit faire attention à ces choses-là, pas rentrer dans les portes que le shaitan ouvre. قال المصنف رحمه الله قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. Donc le cheikh, il dit, l'auteur, il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, a dit, si Allah n'avait révélé rien d'autre que cette sourate comme preuve contre sa création, s'il n'avait pas révélé une autre sourate que celle-là comme preuve contre sa création, ça leur aurait suffi. Donc sourate al-Asr, c'est comme si elle aurait été suffisante comme preuve contre la création par rapport à tout ce que la religion comprend. Donc le cheikh il dit, « Wahada, cheikh Ubaid al-Jabri, حفظه الله الديسي هذا القول هذا القول بعض مشايخنا يرى في نسبته إلى الشافعي نظرا. Il dit que certains de nos chouyours ils considèrent que c'est pas clair est-ce que cette parole est réellement de l'imam al-Shafi'i. Et dans la note de bas de page ici, il dit ذكر الحافظ ابن كثير هذا الأثر عن الشافعي بلفظ لو تدبر الناس هذه الصورة لوسعتهم. C'est-à-dire que l'imam Ibn Kathir, il a cité dans son tafsir ou dans son livre cette parole de l'imam al-Shafi'i. Mais dans
les paroles d'Ibn Kathir qui ont été citées de l'imam al-Shafi'i, ce n'est pas exactement la même expression que ce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans Usul al-Thalatha. La différence, c'est qu'est-ce qu'il dit, c'est ce qui suit. Si les hommes méditeraient et réfléchiraient vraiment sur cette surah, ça leur suffirait. C'est ça la différence. Donc, dans Usul al-Thalatha, il dit, si Allah n'avait fait descendre comme preuve rien d'autre que cette surah, ça leur aurait été suffisant, hein, comme preuve contre sa création. Tandis que dans la parole de l'imam Ibn Kathir qui cite l'imam Shafi, il dit, si les hommes réfléchiraient comme il faut et méditeraient comme il faut sur cette surah, eh bien ça leur suffirait. Donc c'est un petit peu différent, hein. Et il dit ici également, il dit, وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ هَذِهِ السُّورَةِ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي مَدِينَةِ الدَّارِمِ قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم يسلم أحدهما على الآخر وصححه العلامة الألباني في الصحيحة. Donc le Cheikh il dit, et parmi les choses qui montrent le mérite de Surat al-Asr, il y a qu'est-ce qui a été rapporté par Tabarani dans Al-Awsat, que Abi Madina Ad-Darimi a dit, lorsque deux hommes d'entre les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se rencontraient, avant de se séparer, ils ne se séparaient pas avant d'avoir récité Surat Al-Asr l'un à l'autre. Hein? Et ensuite, ils se saluaient, hein? Ils se donnaient le salam, et puis il s'en allait. Donc, c'est pour dire que ça montre un mérite, hein, quelque chose de bien, de qui est important par rapport à cette surah. Et le chef, il dit aussi, نعم ولم أقف عليه في كتاب من كتب الشافعي مع أن البحث قليل وحجة الله قامت على الخلق بغير هذه الصورة وعلى فرض صحة هذا القول عن الشافعي رحمه الله فإن هذه الصورة على قصر لفظها فقد اشتملت على المعاني الواسعة. Donc le Cheikh il dit, je n'ai pas vu cette parole dans les livres de l'imam Shafi'i, malgré que j'ai pas cherché, j'ai fait peu de recherches, mais on sait que la preuve d'Allah est établie contre la création par autre que cette surah aussi. Et il dit, si supposons que cette parole était vraie et authentique de la part de l'imam Shafi'i rahimahullah, pour dire que yani, cette surah, c'est vrai que yani, malgré qu'elle est courte, elle est petite, mais elle est remplie de grandes significations, des significations très importantes. Et il dit par exemple, ومن تلكم المعاني ما تضمنته من حسن العاقبة لأهل الإيمان والتحذير من سوء العاقبة لغيرهم كما أن فيها تنويه بالدعاة إلى الله على بصيرة أنهم متميزون عن غيرهم وذلك أنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر وليس عندهم شطط كالفرق الضالة. Donc le Cheikh il dit que parmi les significations qu'on retrouve dans cette surah, il y a ce qui est compris du fait que on parle de la bonne conclusion des gens de la foi et de la mise de l'avertissement contre la mauvaise conclusion des autres, hein, de ceux qui n'ont pas la foi. Et également qu'est-ce qu'on mentionne au sujet des caractéristiques des gens qui invitent à Allah, ils le font avec ceux qui invitent à Allah avec science, ils se distinguent des autres du fait que ils s'enjoignent les uns les autres à la vérité et s'enjoignent les uns les autres à la patience, et ils n'ont pas les malheurs et les problèmes que les gens des sectes déviées et des garments possèdent. Il dit wasimatuhum simatuhum ar-rifqu fi mawdi'i wal-quwwatu fi mawdi'iha.
فهم يتميزون بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن وهذا واضح في سيرة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى. Donc le cheikh il dit, parmi les caractéristiques des gens de la foi, les gens qui appellent à Allah selon la science, eh bien, ils sont doux lorsque c'est nécessaire d'être doux, et ils sont forts et durs lorsque c'est nécessaire d'être durs, et ils se distinguent également par le fait qu'ils invitent à Allah avec sagesse, avec la bonne exhortation, et en argumentant et discutant de la meilleure manière. Et ça c'est clair en observant l'exemple et la vie des Sahaba et des Tabi'in, et ceux qui les ont suivis parmi les imams de la guidance. Donc, Yanni, je pense qu'on peut s'arrêter pour ici, hein, pour aujourd'hui, puis on continuera au prochain cours, Inch'Allah, pour la suite de cette explication de Al-Usul al-Salasa, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك